Trempez les gombos dans l'eau toute la nuit et buvez-en le matin pour profiter de ses bienfaits pour la santé. Le gombo est un légume ? S'enracine dans l'alimentation africaine. On le retrouve aussi dans le sud de l'Europe, en Inde, aux Antilles, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Cette plante, aussi appelée un demi-okra ou un demi-lalo, est consommée crue, cuite et parfois mangée. Sa saveur, sa texture particulière ? Et sa valeur nutritive en font un légume qu'il ne faut absolument pas rater. Un légume qui ne devrait clairement pas, Le gombo reste un bon choix à inclure dans un plat de légumes, sachant que beaucoup de personnes à travers le monde l'incorporent dans leur plat. Mais tous les gens, en particulier les enfants, ne l'apprécient pas en raison de son goût et de la texture unique qui le caractérise une fois qu'on l'a en bouche. Ce légume comporte de nombreux avantages pour la santé, mais la plupart d'entre eux sont attribués aux minéraux, aux vitamines et aux composés organiques qui y sont présents. Le gombo jouit également d'une valeur nutritive considérable puisqu'il est riche en vitamine A, B, C et K ainsi qu'en magnésium, potassium, calcium, fer et zinc. Sans oublier qu'il contient une grande quantité de fibres solubles. Une consommation ergoulie ? De gombo vous permettra d'acquérir des avantages évidents. Un meilleur fonctionnement du système digestif. Le meilleur aspect de l'ajout du gombo dans votre alimentation est sans doute l'augmentation significative de votre apport global en fibres. Les fibres solubles absentes dans ce légume permettent en effet d'aider à transporter plus facilement de plus grandes quantités d'aliments à travers le tube digestif. Ce qui signifie que les selles deviennent plus ergoulies ? C'est que les différents problèmes gastro-intestinaux comme les ballonnements, les crampes d'estomac, la constipation ou l'exc. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le gombo aide aussi à prévenir la diarrhée parce qu'il permet aux selles plus liquides d'avoir davantage de volume. Les fibres sont aussi connues pour contribuer à l'élimination de l'exc. De cholestérol dans le corps. Un système immunitaire plus fonctionnel. Les différents éléments à antioxydants absents dans le gombo le rendent bénéfique dans la lutte contre les radicaux libres, mais n'oubliez pas que sa teneur en vitamine C veut également dire que le système immunitaire s'en trouve renforcé. Cette vitamine est connue pour encourager le système immunitaire à produire plus de globules blancs en mesure de lutter contre l'agent apatogène étranger et les substances persistantes dans le corps pouvant nuire à son immunité. Une pression artérielle plus stable et une meilleure santé cardiaque. Ce légume contient aussi du potassium qui représente un élément important dans le maintien d'une bonne santé. Ce nutriment est indispensable à l'équilibre hydrique du corps humain, puisqu'il a pour tâche d'équilibrer le taux de sodium. Par ailleurs, le potassium aide à détendre les vaisseaux sanguins et les artères, ce qui baisse la pression artérielle et soulage le système cardiovasculaire. Tout ceci fait que les risques de coagulation et d'athérosclérose sont sensiblement réduits. La vitamine A rentre aussi dans la composition nutritive du gombo, tout comme Al-B, l'azéoxanthine et la lutine. Tous ces antioxydants sont les ennemis jurés des radicaux libres, ces derniers étant les sous-produits néfastes du métabolisme cellulaire car ils sont responsables de la détérioration des cellules corporelles, y compris celles responsables de la vision. Une consommation ergoulie ? De gombo vous permettra par contre de bénéficier d'une bonne protection A pour votre vue, et ce, contre la cataracte et la dégénérescence maculaire. Une peau en meilleure santé. Ces antioxydants comme la vitamine A sont aussi capables d'améliorer la santé de la peau en laquelle rend son processus de guérison, les cicatrices et l'acné deviennent ainsi moins visibles, les rides quant à elles et y se trouvent grandement atténuées. Les acellules de la peau seront du coup à l'abri des radicaux libres susceptibles de les endommager.
une excellente méthode de profiter des bienfaits du gombo. L'une des meilleures façons de bénéficier à tous ces bienfaits nutritifs précédemment, c'est de le faire tremper dans de l'eau durant toute la nuit. Le lendemain matin, manger le gombo tout en buvant son eau. Et ça serait un point d'interrogation inversé de simple et pratique, vous serez en mesure d'améliorer naturellement la santé de votre corps. We'll be right back.